Salut à tous, j'espère que vous avez eu une très bonne journée. On est déjà au 15e épisode de ce Let's Play Pokémon Saphir Alpha. Alors, où est-ce que j'en suis? Je suis au chenal 109, j'ai déjà 7 badges, sans rencontrer 118 Pokémon et j'ai joué pendant 23 heures. On est presque à 24 heures, toute une journée de jeu. Et ça va, nous avons avancé dans le jeu. Donc là, j'étais censée partir à Atlanapolis. Du coup, je vais chercher mon petit Latias. On va voler. On va partir ici. Voilà. Ici, on peut partir ici. C'est bon, on vole. Yeah. Et maintenant, on surfe. En plus, j'ai pas utilisé repousse. Ah. C'est à peine si j'en parle. Et ils sont là. Je sais pas qu'est-ce que je vais rencontrer à Atlanapolis. Je sais pas s'il y a... s'il y a un centre Pokémon ou pas. Quelqu'un pour guérir mes Pokémon. C'est pour ça que j'ai pas envie. C'est pas trop envie de les... combattre là, mais je devrais qu'il gagne un petit peu d'expérience. Alors, Atlanapolis, c'est par ici. Ouais, par là. On plonge. Parce que là, je vois ma petite tête sur la map. Être quelque part par là. Ah, les grottes sous l'eau. Et voici les nains. Oh non. Ah, on est revenu à la caverne fond de mer. Ok. Oh, on peut partir au chenal 126 ici. Du coup 126 ça va être un petit peu plus... je suis revenue au même endroit. Là on est plutôt... Peut-être qu'il est possible de remonter ici. L'ombre. Ah oui, je viens de remarquer que je porte le scuba machin qu'il m'a donné pour plonger.
police. C'est pas ce que j'ai imaginé du tout. Ah oui, c'est pour ça. C'est parce que je dois retourner à la surface. Ah, j'ai oublié que c'était la fin du monde. Ah, direct, fugime. Bon, allons-y. Qu'est-ce que j'ai déjà comme Pokémon en premier? C'est le difficile champignon. On prend le champignon, on va le mettre en premier. Ou pas? Allez, on y va avec le difficile. Est-ce qu'on... Ah, la porte est fermée. Donc on devra sûrement voir faire face à quelqu'un d'autre avant de partir à la gym. C'est un anglicisme ou pas, parce qu'avec Pokémon franchement anglais en français ça c'est tout entremêlé dans ma tête. On a soigné ces petits Pokémon, allons voir qu'est-ce qui se passe. Ah, c'est fermé. C'est le principe de cet endroit, tout est fermé. La porte est fermée, la porte est fermée, la porte est fermée. Et la porte est fermée. Cette pierre blanche me rappelle Tatooine, ces petites maisons en sorte de... En sorte de sas, enfin... Pas des sas vraiment, mais... Forme des maisons, forme du toit des maisons. Toutes les portes sont fermées, c'est quoi cet endroit? Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Rien. Les gens ont fermé la porte parce qu'ils ont peur. On est à Planopolis et on sait quoi. Qu'est-ce qu'on va acheter? Qu'est-ce qu'on va acheter? Un rappel. On va acheter un rappel. De sortie, j'en ai déjà. On va prendre encore un autre super pouce. Je pense que j'ai pas utilisé mes super repousses et mes rappels. Du coup, là, je... porte fermée. Tu veux mettre des escaliers là-bas? Comment je peux y accéder? Par là. La pluie n'en finit pas de tomber. Ben oui, tu m'as laissé sur la route et t'es parti en volée. Si ça continue, la terre entière va être inondée. Écoute ce que ce brave Marc a à dire. Qui est Marc? Bon,
Bonjour, je m'appelle Marc et je suis le champion d'arène de cette ville. Et je suis également chargé de la protection de la grotte originale. Là, t'as pas fait un bon boulot, mec. Ce déluge est causé par une force qui émane de la grotte originale. Quelle perspicacité, mais tu as la gemme rouge. Très bien, viens avec moi. T'as fouillé dans mon sac, toi. Ok, suivons-le. Hommes et Pokémon, nous avons tous besoin d'eau pour vivre. Nous ne devrions pas la craindre. Trois points. Mais les nuages de pluie qui s'amoncellent au-dessus d'Eternapolis sont de plus en plus nombreux. Bientôt, ils recouvriront tout OM. Si cela continue, on s'est arrêté juste pour t'entendre faire la poésie. C'est quoi cet endroit? Ah, c'est la tira quoi? Ah, c'est pas la peine du tout de faire des monstres parce que là, vous avez bien vécu la merde. L'été, quoi et magma. Je t'attendais. Arthur, tu es bien sûr de vouloir lui donner ce que nous avons développé? Mais ceci, c'est le scaphandre à quoi? C'est à moi qui me l'a donné? Ok, j'ai un scaphandre. Il s'agit d'une super combinaison protectrice créée grâce aux technologies avancées de la team Aqua et de la société d'Evan. Elle devrait nous servir à nous approcher de Kyog sans danger. Je te la confie. Ah, mais je pense pas que tu pourras rejoindre Kyogre dans les profondeurs juste avec ça sur toi. Ça va me donner d'autres. Effectivement, l'énergie qui émane de cette grotte est bien plus puissante que ce que nous avions imaginé. Ces courants marins sont particulièrement violents. Vous n'avez aucun souci à vous faire à ce sujet. Vous voyez la gemme rouge qu'elle porte? La force ancestrale qu'elle renferme les protège, ses Pokémon et elle. Oh, la chouette. Mais bien sûr, je me souviens des paroles des anciens du Mont Mémorial. La gemme bleue libère le pouvoir de Kyogre et lui permet d'effectuer sa prime résurgence. La gemme rouge, au contraire, sert à dompter sa puissance. Oh, oh, oh. L'énergie qui afflue de la grotte origine est identique à celle de Kyogre. En tenant la gemme rouge, il est possible d'apaiser les courants violents qui bloquent le passage. Bien sûr, la seule puissance de la gemme rouge ne suffit pas à atteindre l'antre de Kyogre dans le cœur de Hoenn. Si tu combines son pouvoir avec celui du scaphandre que tu viens de recevoir, tu pourras surmonter la puissance des éléments. Yes, enfin, Sayura, qui aurait cru qu'un jour tu posséderais la gemme rouge? Pas moi. Tout va bien se passer, je suis sûre que tes Pokémon et toi seraient à la hauteur. T'as pas vu mes Pokémon, toi. Tu as toute ma confiance. Eh ben c'est chouette, c'est tout ce que j'ai de ta part. Nous, peuple Atlantin, ne sommes pas autorisés à pénétrer dans la grotte origine. C'est donc à toi de t'y rendre en emportant cette gemme rouge, et ce malgré les dangers que tu pourras rencontrer à l'intérieur. Quant à nous, nous sommes mobilisés afin de venir en aide aux victimes humaines comme Pokémon. Chacun d'entre nous s'efforce à sa manière d'apporter sa pierre à l'édifice. Je suis vraiment livré de te faire porter le fardeau, mais tu as l'air bien cher. Tu as tout mon soutien. Désolé, c'est tout ce que tu as à dire. Va sauver le monde de la menace de Kyogre. Je compte sur toi. Merci, après tous ces beaux discours, laissez-moi partir. Ah non, plus je dois traîner quelqu'un avec moi. Sayura, j'ai vu que tu te trouvais à Eternapolis en regardant les actualités sur le Navisho. Oh non. J'ai couru aussi vite que j'ai pu pour t'apporter mon soutien. Je suis heureux de voir que tu vas bien. Juste ton soutien, c'est tout. Mais la team Aqua et la team Magma ensemble? Comment dire, je n'avais jamais pu voir ça un jour. Il se passe des trucs qui dépassent mon imagination. Ben viens avec moi à la grotte, tu vas voir. Mieux vaut ne pas poser de questions. Je vais faire tout mon possible pour me rendre utile. Alors toi
aussi. Et j'ai l'air bien contente, hein. C'est normal après tout, tu es ma meilleure amie. Pas censé être rival. Hop, à la grotte. Enfin, à la grotte. Ah si, c'est une grotte. La grotte d'origine. Hop. C'est quoi ça? Wow. Oh non, repousse, repousse vite. Je vais pas perdre toute mon énergie avec vous. Oui, j'ai pris la fuite, en effet. Où est-ce qu'il est super pousse? Repousse les Pokémon sauvages. Allez, super pousse. Allez, maintenant, cours. C'est là qu'on descend. C'est quoi ça? C'est une blague, ce repousse. Je vous jure, c'est abusé. Allez, vite. Où es-tu, Kyogre? Je pense que plus il y a de séisme, plus on s'approche de Kyogre. Ok. Allez. J'ai hâte de voir ce à quoi j'aurai à faire. Ah, enfin de l'eau. Le petit spationaute, c'est moi. Je suis une petite boule de feu. Fort heureusement, je suis bien équipée. Kyo, bah t'as pas l'air aussi. Bon. Une voix émane du scaphandre à quoi? Oh gamine, tu m'entends? Arthur, c'est moi, Arthur. Je te parle grâce à un émetteur installé dans le scaphandre. D'ici, on a réussi à repérer où va apparaître Kyogre. Tu le vois pas? Car apparemment, il est juste devant toi. Oui, je vois, il est énorme. Écoute, c'est pas le moment de paniquer. Prends ton courage à deux mains et monte dessus. Ensuite, on... On a été coupé. La communication a été coupée. On est monté sur Kyogre. On est... Ah ben oui. Gentil Kyogre, gentil. Faut pas être méchant. Où est-ce qu'il nous emmène? Il est pas si grand et pas si méchant. Ok, où est-ce qu'on va, Kyogre? Je viens avec toi, mais j'ai pas envie de mourir. Ouh, où est-ce qu'on est? Ouh là là! Où est-ce que tu nous as emmené? C'est ta grotte secrète, c'est ton... Comment on appelle ça déjà?
Forteresse de la solitude, on dirait. Merci, petit Kyogre. Et maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Tu m'as ramené ici pour que je traîne. Pas grand-chose à faire, hein. L'effet du répulsif s'est dissipé. Oh, voyons qu'est-ce qu'on va croiser comme Pokémon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on a Kyogre qui nous parle encore une fois. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ah, il a la gemme bleue en haut, je pense. Ouh. C'est la première résurgence? Ça ne pourrait être que ça, je pense. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Kyogre va devenir... C'est Primo Kyogre. Faut pas avoir peur, il est juste un petit peu plus grand, ça veut dire qu'il va aller un petit peu plus vite. Quand on va monter dessus, il est difficile. Oh non! Je dois en plus combattre. Ah là là. Mon pauvre petit difficile. Non, non, non. Et KO. Je suis censé perdre. Je m'attendais pas à ça. Allez, champignon. Champignon, s'il te plaît. En plus, c'est lui qui attaque en premier. Ils sont autour d'un voile d'eau. Et je peux jamais l'atteindre. T'appelles ça super efficace? C'est ce que t'appelles super efficace? Je suis cuite. Est-ce que je peux l'attraper? On va essayer de le vider de ses PV jusqu'à ce qu'on puisse l'attraper. Avec mon grain de cerveau. Et si on essayait de l'attraper? Super bon. Filet bon. Une boîte trop performante dans le taux de réussite est supérieur à la Pokéball. Et filet bon, c'est un peu spécial qui fonctionne particulièrement bien sur les Pokémon eau ou insectes. C'est peut-être une bonne idée ou c'est peut-être votre esprit? Ah non. Non. Aïe, il m'a aplati. Il est paralysé. S'il est paralysé, on peut l'attraper. Je n'ai plus le choix. J'espère que Vampigraine est toujours de la partie. Flammer, c'est une très mauvaise idée, mais bon, on va réessayer de l'attraper. Non, no way. Ok, tout restaure de l'énergie, on la prend.
ça, parce que de toute façon, toutes les attaques feu, ça servira à rien. Ça va. Non, non, pas un troisième. Voilà, deux fois. Il n'a pas pu attaquer, il est paralysé, il n'a pas de PV. Non, ne le tue pas, ne le tue pas. Voilà. Mon pigraine, ne prends pas tout, par pitié. Laisse-lui un tout petit peu. Ok. Si c'est possible de l'attraper, je pense que c'est bien le moment de l'attraper. Non. Mais... C'est nul. Moi j'aurais essayé. Ok, casse-toi, fais vite. Qu'est-ce qui se passe? On a empêché la fin du monde ou on a provoqué une fin du monde? Ah si, on l'a empêché. Ça va, il fait beau. Il fera toujours beau à Owen, oui. Ok. On a battu Kyogre. C'est moi qui ai essayé de l'attraper. Ah, je suis revenue chez moi en plus. Je suis pas revenue chez moi, je regarde juste de chez moi. Enfin, je regarde les gens de chez moi, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. C'est sympa maintenant. Ah, je vois toutes les villes. Et ils sont tous contents. Et je connais cet endroit. Alors, je me souviens de ces Pokémon. Avec ce gars de la team Aqua. Et l'endroit de la fusée. Et Atlanapolis a mis fin à la fin du monde. Bon, après ça a commencé ici aussi. Salut Raph, c'est lui. Et c'est grâce à toi. Ah, si tu savais. Regarde, tu vois, le ciel d'Atlanapolis a retrouvé son état normal. C'est pas un état normal, les trucs qui brillent, qui sortent et tout. L'énergie concentrée dans la grotte d'origine est en train de se répandre sur le monde. Quelle chaleur agréable! Le sentiment de peur et d'insécurité qui m'envahissait tout à l'heure a totalement disparu. Ah, je te fais pas dire. T'as fait une grosse bourde et je l'ai arrangée. Mon esprit semble enveloppé d'une douce chaleur. Tant mieux pour toi. La terre, la mer, les humains, les Pokémon, nous avons cherché à privilégier l'un au détriment de l'autre. Mais à présent que l'équilibre a été retrouvé, je sens que nous devons changer notre manière de voir le monde. Arthur, comprends-tu ce que je veux dire? Oui, t'as raison sans doute. Max, c'est pas pour dire que tu dis est faux, mais tu vois, on change pas du jour au lendemain. Le monde idéal que j'ai imaginé, celui où j'aurais pu vivre avec mon Pokémon favori, il reste le même, quoi qu'il arrive. Mais bon, je suis pas vraiment droit de dire ça après avoir causé tant de soucis. Effectivement, tu as failli faire disparaître toute vie sur la planète. Tu devrais réfléchir avant d'agir, idiot. Tu crois que les gens vont te pardonner aussi facilement? Ceci dit, cela m'est égal s'ils ne te pardonnent pas. Car même si tu es un idiot détesté par tous les habitants de cette planète, je continuerai d'être à tes côtés, je serai avec toi pour toujours. Oh là là, elle est Max. Max, non, Arthur. Alors, cesse d'agir comme si tu portais seul le poids du monde sur tes épaules. Va pêcher un peu, ça détend. Car tu es notre chef, le chef de la team Aqua.
et nous sommes tous tes amis. Sarah, pardonne-moi. La prochaine génération héritera du monde que nous, adultes, lui aurons façonné. Mais quel genre de société devons-nous lui léguer? C'est à moi, tu demandes? Devons-nous nous entraider ou passer notre temps à nous affronter pour bâtir ce monde parfait? Prenons le temps d'y réfléchir tous ensemble, Team Magma et Team Aqua, main dans la main. Ça va être Team Tiède. Hey gamine, puisque tu as su te servir de la gemme rouge, je te donne ça aussi. Donne-la à Kyogre et tu pourras faire appel à la puissance de la primo-résurgence. J'ai une gemme bleue. Qu'est-ce que je vais faire avec une gemme bleue? Je dois... Fera a mis la gemme bleue dans la poche objet. Adieu, lutte. Team Aqua et la Team Magma, leurs manières de penser et leurs objectifs sont totalement différents, mais ils semblent tout de même capables de s'entendre. Je ne pense pas que tout va changer du jour au lendemain, mais les événements d'aujourd'hui leur ont permis de franchir une étape. En ce moment, la région de Rennes est en plein bouleversement. Je pense que tu devrais partir à l'aventure pour le constater de tes propres yeux. Tu veux que je refasse le tour? D'ailleurs, je te conseille de commencer par tenter de relever les défis de la reine de cette ville. Je suis sûr que Marc, qui nous a apporté son aide tout à l'heure, t'attend avec impatience à l'intérieur. Il est très fort, mais je pense que tu seras à la hauteur. Tiens, ceci te sera fort utile lorsque le temps sera venu pour toi de parcourir le monde. C'est une de mes flûtes favorites. Qu'est-ce que je vais faire d'une flûte? La flûte est le symbole du lien qui te rattache à la tièce. Si tu souffles dans cet instrument, la tièce saura te rejoindre où que tu te trouves. Maintenant je peux voyager partout. Tu pourras alors monter sur son dos pour voyager dans les cieux. Tout comme la fois où il nous a transportés vers l'île du sud. Maintenant je monterai sur la tièce, le vrai, pas un oiseau quelconque. Les humains, les Pokémon, la nature... Je ne m'en étais pas rendu compte jusqu'à maintenant, mais tous les êtres vivants de cette planète coexistent et vivent en harmonie. Je me languis de savoir quel avenir radieux nous attend et de quelle manière notre monde va évoluer. Et autre chose, ça y aura. Je suis également très impatient de voir quelle sera ta contribution à l'évolution de ce monde. Et quel avenir toi et tes Pokémon d'attirer. Quand nous nous reverrons, j'espère que tu partageras ce que tu as appris avec moi. Avec mes Pokémon et moi. Sur ce, bye! On y va! Piouf! On est enfin tranquille. Je tiens encore à te féliciter, Sayura. Dire que nous avons quitté Bourg-en-Vol ensemble, contrairement à moi, tu as fait des progrès fulgurants. Tu es devenu presque inaccessible. C'est un peu triste. Non, pas triste, émouvant peut-être. En tout cas, tu as réalisé des prouesses. Tu as bien mérité un peu de repos. Salut! Ils partent un à un. Sinon, je peux retourner ici? Eh ben oui. Trouver Kyogre tout en bas. La curiosité n'est pas un vilain défaut. Oh, Ténéfix. Est-ce que j'aime Ténéfix? Oh, j'ai oublié que mes Pokémon étaient tous KO. J'ai pas pu fuir en plus. Ils sont pas tous KO, mais...
déjà libre obscur. Allez, Graiena, allez. Graiena est confus. Allez, tant que j'y suis. Allez, viens, je me fixe. 1, 2, non. Ah, presque. J'ai pas envie de... J'espère que ça va pas prendre tous ces PV, j'ai pas envie de mettre KO. Ah, il est KO. Dommage. Qu'est-ce que j'ai à faire de l'ombre qui monte au niveau 23? Est-ce qu'il va voler plus vite? Non. Hop, sortons d'ici. C'est quoi ça? Je vais partir au centre Pokémon. Non, c'est pas grave. Go Flamigo. Ça suffit pas. Je suis empoisonné. C'est bon, il reste que celui-là. On va partir en centre Pokémon. Je vous promets, mes petits Pokémon, je vais vous soigner. No worries. Ah, je me suis retrouvée coincée. Comment on peut descendre de cet endroit? Non. Pas plus loin. Voilà. Je pense qu'ici on pourra surfer. Ça, ces Pokémon, ils se retrouvent dans... C'est un endroit plein d'eau. Non, ça sert à rien. C'est une maison. Et peut-être que c'est pas ici. Pas descendre comme ça. On doit passer par là. Ouais, je vais passer de l'autre côté, on va voir qu'est-ce qui se passe.
C'est l'autre moitié d'Atlanopolis. Il y a quelque chose ici. Une ténéfixite. Ah, je ferais mieux d'attraper un ténéfix du coup. Alors, il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Rien du tout ici. Pourquoi il y a des escaliers vers 7? Ah, en plus ça s'ouvre. Ça fait 30 ans que je me suis enterrée en Atlanopolis. Pendant tout ce temps, j'ai conçu une cité renversante. Je te la lègue. Ma léguée casse-brique. Que c'est gentil. Un coup si terrible que je ne peux pas le décrire. Ça doit être pour les Pokémon combat. La maman, tu es un dresseur, non? Marc, le champion d'arène d'Athénopolis, a de nombreux fans. Et toi, tu en as? Non. Oh, eh bien, on n'a pas beaucoup d'amis ici. Essaie de travailler plus dur pour avoir des fans à tes côtés. Merci. Ah, vous en avez plein de ces petites histoires. Je vais pas essayer de partir par là. Ah si, oui, si, si, il n'y a rien. Ça me rend malade. Comment sortir de cet endroit? Je vais même pas entrer dans le centre Pokémon. Bon, la solution se trouve sûrement dans l'eau. Non, 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 pas ici. Ah oui, après, bon, ici. Est-ce qu'on peut surfer quelque part par là? Non. Cette musique te dit, tu ne vas jamais sortir d'ici. Je ne suis pas venue te chercher, toi. Qu'est-ce qu'on rencontre en tentacule? Non. Oh, magique! Pas grand chose, il me reste la pièce qui est en forme. Allez, la pièce, go! Mais est-ce qu'il sera efficace? Oui, oui, oui. En effet, plutôt efficace. Est-ce qu'on pourra atteindre la terre ferme? Yes. Et un centre Pokémon 1. Regardez, 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 mes petits Pokémon sont malades. Kyogre les a défoncés. Merci et à bientôt. Alors.
Alors, qu'est-ce que j'étais censé faire? Ah oui, l'arène Pokémon. Où est-ce que je vais la trouver? Quelque part par là. Par ici, elle était quelque part. Non, non, non. Sors de chez les joues. Maintenant les buildings changent de place ou quoi? C'est pas par ici. C'est pas par là. J'arrête pas d'avoir boum boum boum. Oui, on va surfer. On va surfer, faire le tour. Peut-être que la reine sera quelque part par ici. La reine ici. C'est un puzzle cet endroit. Ah voilà. Comment j'ai pu ne pas le voir? Et qu'est-ce qu'ils ont ici? Sur la glace sans dépasser aucune ligne, voilà l'idéal d'élégance et de beauté vers lequel patati patata Carmen. Salut Carmen, rencontre mon petit difficile. Et il va pas faire long feu avec mon Pokémon niveau 31. Encore 36. Il est paralysé. Yeah. Ouch. Ouh. Pour un coup critique, c'est un coup critique. Tu ferais mieux de passer au niveau. C'est quoi cette baleine? J'espère que tu vas attaquer en premier. Ça c'est bon, ça fait. Voilà. On va faire changer clair. Attaquez pas. Giga sans su, même s'il reste plus de cheveux. Et voilà. On est tous contents. Et enfin, difficile niveau 37. Faut dire que les Pokémon ne sont pas super bien. Alors, le difficile va être soigné et on va lui donner. Qu'est-ce qu'on va lui donner? J'ai 15 rappels.
on va lui donner une superstition. Ah, j'aurais dû lui donner encore une superstition. Et voilà. Et boum! Je n'étais pas assez bien préparée pour cette armure. Merci. Décollé. Qu'il a l'air joyeux ce Pokémon. Je vais ôter la joie de ton visage. Il y a un peu d'électricité. Alors. Pas de Pokémon ou un des flammes. Demi, c'est pas mal. Un des flammes. Calcination. Grille. Grille. Sorte d'arbre joyeux. J'arrête d'utiliser méga sens. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Une autre charge, puis voilà. Une autre charge? Ça va, c'est mieux que calcination. Qu'est-ce qui va? Aïe. Attendez à ça. Le Flamie niveau 47. C'est celui qui a évolué. C'est mon Pokémon le plus évolué. Laisse-moi passer, laisse-moi passer. C'est quoi cet endroit? Oh non, je suis revenu. Par ici. Ah, ça me fait revenir aussi. Ok. Je peux pas marcher. Je suis tombée ici. Est-ce que j'ai eu à faire face à celle-là? Non. Il n'y a que des canons ici. Les Pokémon O sont réservés aux canons, merci. Ah, imagine si le difficile avait... Si le difficile avait évolué un peu plus... Allez, on aime bien le thrill. On va pas arriver ici avec des Pokémon super évolués et écraser tout le monde facilement. Tu trouves que j'ai un bon niveau? Merci Barbara le canon. C'est gentil. Allez, on va soigner avec les potions max. Tu es canon, mais laisse-moi passer. Et encore, c'est la reine des femmes. Il faut être une femme, il faut être canon pour avoir un Pokémon go. Pour faire partie de cette arène. Après, ils sont de plus en plus expérimentés. Du coup, le difficile à. Plus de mal à les avoir à chaque fois. Arrête de le mâchouiller. C'est un Pokémon. C'est mon Pokémon surtout.
58 déjà. C'est mieux de passer au niveau 38 en deux coups que de se battre encore et encore et encore avec plusieurs Pokémon. Qui es-tu? J'ai vu Marc gagner un combat de façon admirable et j'ai décidé de devenir dans... c'est une arène pleine de femmes. Mais le champion, c'est un monsieur. On a deux Pokémon. C'est... Elle n'en a plus qu'un. Remets ta coquille à sa place. Garde-la dans ta poche. Oh, un corallon. Elle est difficile. Waouh. J'aurais jamais cru que ce Pokémon me servirait. Oh non. Oh non. Il est guéri en... Oh non. Heureusement que j'ai utilisé échanges éclairs. Allez, difficile de revenir vers moi. Envoyer champignon. Un petit effort. Tu ne crois pas si bien dire. Tu as combattu avec plus de brio que je n'ai su le faire. Ben oui, ton Pokémon était KO du premier coup. J'entraîne mon Pokémon avec Marc. Je ne suis pas une adversaire facile. Donc en fait, c'est toi la dernière avant Marc. Brigitte. Elle a Staros. Oh non, j'ai pas soigné le difficile avant de parler à Brigitte. Pas juste changer de Pokémon. J'ai mieux, on va envoyer Graena. Va prendre quelques coups, c'est pas grave. C'est pas si mal. Tu vois? Commence déjà par l'intimider, c'est bien. C'est bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh, en plus j'ai glace. Mais ça sert à rien contre un Pokémon Go. Ça sert à rien du tout. Graena, tu sers à rien. Mais vraiment, je vois pas du tout qu'est-ce qu'on pourrait utiliser avec Graena. J'aurais dû juste en profiter pour réparer les petits difficiles. Voilà. Super potion, petite potion max utilisée sur les difficiles. Voilà. Voilà. C'est un placeholder, Graena. Allez, maintenant tu vas voir mon vrai Pokémon. Je me demande toujours si ces petits points sur le côté sont ses oreilles. Voilà. Je sais que Météor va faire mal, mais pas tant que ça. Donc ça va. Dernier petit coup de jus. Et les y voilà. Graena au niveau 32. Qu'est-ce qu'il va apprendre encore, Graena? C'est quoi? Oh, un
truc ténèbre. Empêcher l'ennemi d'utiliser un objet tenu et son dresseur d'utiliser un objet sur lui. Non, non, non. Ça ne m'intéresse pas. Regardez les anciennes capacités. Non. Oh, j'ai pas fait, oui. Alors, voulez-vous renoncer? Oui, je renonce. J'ai battu Brigitte le canon, tu m'as écrasé. Non. Mais non. C'est pas pour ça. Où est-ce que t'es plus difficile? Hop. Non, on va juste utiliser une super potion. Ah, je regrette. Un truc qui... Voilà, une petite potion. Voilà. Où est ce champion? Où est ce champion dont on a parlé? Sors d'ici, champion! Non, t'es pas là. Ne dites pas qu'il y a beaucoup d'autres champions à combat. Cette fois, je vais essayer de casser des trucs. Non. Pas casser de bons trucs. C'est toujours un peu avec ces arènes. Retombe au même endroit. Allez, fais vite, fais vite, fais vite. Ah. Celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Pourquoi on peut pas juste partir quelque part? Faut toujours que vous mettiez des sortes de puzzles. Ça vous plaît que quand quelqu'un vient? Ah non, 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 je vais revenir au même endroit. Je dois trouver la logique derrière ce truc. Non, non, non. Mais une fois que t'as cassé quelque chose, si tu te mets dessus, c'est bon, tu descends. Non. Je ne voulais pas passer par là. Pas si difficile, vas-y. Une dernière fois. Yay. Oh non. On doit refaire. Vont être ouvertes les escaliers. Non. Ok, on peut partir en diagonale. Juste faire attention.
Non, je voulais partir en diagonale. J'ai jamais vu un endroit aussi compliqué. Donc je veux partir en diagonale, ça part en diagonale. Voilà, 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 voilà. En diagonale, hop, 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 hop. Non, 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 mais je peux pas. Faut que je monte en haut. Horrible. Horrible. Celle-là, je peux pas sauter. Ok, comment je peux? Non, je peux pas. C'est compliqué, c'est compliqué. Je vais tourner en rond ici un bon moment. Bon, ça va être logique. Faire. Non, ça c'est pas être logique. Alors cette fois je vais regarder d'abord comment est-ce que je pourrais. Je vais remplir ça, 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 comme ça. Et voilà. Donc, je vais commencer par. Non. Voilà. Je vais remplir le ciel en premier ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Non, c'est pas possible. Alors, donne-moi un petit moment, je suis en train de réfléchir. Et tu veux commencer par là. Voilà, comme ça. Non. Comme ça, on peut. Non, non, non. Si on commence par le milieu. Ah, ça va être un petit peu compliqué, mais on va essayer. Diagonale, voilà. Diagonale, celle-là, celle-là, celle-là. Diagonale, et c'est le dernier, et voilà. On revient. Ça se casse et on tombe où? Oh non! Oh non, 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 je dois tout refaire. Pourquoi? Ah, ouf. Ça va. En fait, on doit recasser toutes celles-là. Pour que ça ouvre. Non, non, non. Je vais encore retomber. Cette arène, c'est quand même peu pratique que les combats soient plus faciles que le passage dans une arène. Alors, je vais faire le tour comme ça. Oh non, 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 j'ai fait un clic de plus et je suis tombée. C'est ennuyeux. Attention, petite diagonale, vas-y, voilà.
me suis coincé moi-même, j'aurais dû partir en diagonale. Allez, on refait. On refait encore une fois. On refait encore une fois. Encore une fois. Encore une fois, c'est pas la dernière fois. Si, ça va être la dernière fois. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Diagonale. Oh. Diagonale. Oh. Diagonale. Voilà. Ça va être comme ça. Diagonale. Comme ça. Diagonale. Ça. Diagonale. Ça. Oh shit! J'aurais. Je jurais que j'avais cliqué sur le tir. Je vais vous tuer. Je suis énervée. Je suis extrêmement énervée. Comment vont mes Pokémon? Bon, ils sont en bonne santé. Déjà. C'est déjà ça. Allez. Donc c'est 1, 2, 1, 2, 1, 2, donc ça va être 1, 2, là, maintenant faut pas tout casser en diagonale. Allez, viens, viens, on va combattre. J'ai fait tout ce chemin, mais tu te rends pas compte. On a un long disque. Ce jeu ne m'a jamais énervé autant. En fait, il m'a jamais énervé ce jeu. C'était plutôt sympa. Jusqu'à ce qu'on arrive à cette histoire de. De glace. C'est pas sympa du tout. Allez, le difficile, reste peu. Si tu bats cet hippocamp, hippocéon. Si tu bats cet hippocéon, tu auras des points en plus qui vont passer au niveau supérieur. Yes! Et il est au niveau 39. Youpi! Quelle force tu as! Non, je te fais pas dire. Bon, faut réfléchir, alors on met les pieds. Allez, on va traverser pour voir Mémé. Oh non, c'est pas une Mémé. Et là, Azumarill. Il ne reste que 4. Non. Arrête de manger en plein combat, Azumarill. Yes, le difficile évite l'attaque. T'es le meilleur. Je dois écraser. Oh non. Oh non. Ok, ça va. Ces petits carrés. Une dégonnasse. Oh là 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 là. C'est horrible.
c'est la pire. C'est la pire arène que j'ai vue. Ok. On va commencer par classer par ici. Ok. C'est qu'il y a ces... Faudrait que je laisse ce passage ouvert. Allez. Faudrait pas faire de bêtises. Oh. Enfin toi, enfin. J'en avais oublié mon but, tellement laisse-moi me présenter à nouveau, je suis Marc, champion d'arène d'Athanapolis, on te connaît. Quelque chose a changé en toi. Oui, je le sens, j'ignore ce que tu as vécu dans la grotte origine, mais ce combat devrait... Oups. Allez, fini de discuter, montre-moi ce dont ton équipe est capable. On échange les Pokémon et moi. Alors, tu aussi aux illusions aquatiques dont nous avons le secret. Oh là là, Marc. Marc veut se battre l'indice. Ça doit être un objectif niveau 40. Ouh, il a 5 Pokémon. Il a 5 bons. Ouh, niveau 44. Il a 5 bons Pokémon et moi, j'ai quoi? J'ai 2 Pokémon. Qui vont être efficaces dans ces combats, c'est tout. Hé hé, le mot disque 40. Le difficile, je dois t'ajouter des épées. Oh là là. Qu'est-ce que je peux faire? Horrible. C'est quoi cette horreur? On ne peut pas se battre. Je fais quoi? Je prends la tierce? Moi, il ne va pas être affecté par les séismes. J'aurais dû utiliser la méga évolution. Non, ça fait pas grand chose. Non. Ok. En plus il a soin donc ça me va. Allez la tisse. Je comptais pas sur toi pour ce combat mais... Ton premier. Ce Pokémon est une horreur. Yes. J'aurais dû utiliser Bamou. Ah, tu vas pas venir pour moi, Latias. Oh non. Oh non. On va pas jouer à ce jeu, ça va être hyper long. Allez. Qu'on joue à ce jeu.
refaire et refaire et refaire et refaire. Si ce soit n'est pas encore, c'est pas grave. La tierce tient le coup, la tierce. Ah non, il reste qu'une balle brûle. Ok, deuxième Pokémon, KO. Mais non, on va pas s'arrêter là. Ça a pas fait grand chose, hein. Oui, on a compris. L'avantage avec la caisse, c'est qu'il a soin. Sauf que ça marche pas super bien, donc autant attaquer. Ça non plus, ça marche pas super bien. Est-ce qu'il est paralysé? Ça c'est bien. Oh non! C'est bon, bye bye la pièce. Je mène ce combat de la très mauvaise façon. On va prendre Chapignon, on va essayer de réveiller Lunavolt. Bon, comme je l'ai appris à mes dépens, il vaut mieux mettre Vampigraine d'abord. Ah, c'est bon ça, c'est bon signe qu'il n'a pas pu attaquer. Allez, Giga Sanction. Ah, c'est presque. Est-ce que c'est le moment d'en profiter? Je pense que oui. Je pense que c'est le moment d'en profiter pour... Potion. Oh non. Guérison, poudre énergie, potion, huile, max. Non, c'est pas ce dont j'ai besoin. Non plus. Non plus. Oh non. Inscription des séries, histoire de soins. Je pourrais pas ramener 19. J'ai perdu d'avance. Il me reste que Chapignon qui pourrait être utile. Allez, Chapignon. Allez, on compte sur toi. Avec Chapignon jusqu'à ce qu'on ne puisse plus jouer. Onde boréale. Oh là là. Et si je m'attendais à ça. J'ai bien son su. Allez, s'il te plaît. Ah, Chapignon, t'es génial. Oh non. Je vais être confrontée à ça pendant tout ce temps. Allez, Giga Censure, on prend tout ce qui reste. Voilà. Dernier qui lui reste, qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer. Allez, on s'en fout. Giga s'en suit direct. Peut-être que je pourrais récupérer. Mmh.
yes, yes. Champignon, je t'adore. Allez, on termine ce combat. Yes, 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 mon petit champignon. Je suis partie avec des petits Pokémon, ils ont gagné. Ils sont encore tout bébés, mais ils ont gagné. Allez, champignon, niveau 44. C'est quoi, Camille? C'est quoi, Camille? C'est quoi? Alors, c'est quoi, canon graine? Le lanceur fait pleuvoir un déluge de graines explosives sur l'ennemi. Allez. Une poudre toxique empoisonnée, mais on oublie ça. Oui, je me sépare de la poudre toxique. Oui, je me sépare. Formidable. T'es content? Tu es un dresseur extraordinaire. Je suis heureux d'avoir fait ta connaissance et celle de ton équipe. Tu as bien mérité ce badge fini. Tiens, il est à toi. Avec les badges finis, tous les Pokémon te guériront sans faire de manière. J'ai eu mon dernier badge. C'est mon dernier badge. Yay! C'est génial. D'autre part, j'aimerais m'assurer que tu n'oublies jamais notre rencontre. Alors j'ajoute ceci. Et j'ai reçu Cascade. Cette CS te permet d'apprendre Cascade, capacité redoutable. Pokémon se rue sur son adversaire avec une force suffisante pour remonter le corps d'une cascade. Oui, j'ai vu. Je t'ai vu à l'œuvre et le pouvoir contenu dans le badge lui permet à Pokémon de transformer la métaphore en réalité en remontant littéralement le mandat mur 2. Un certain nombre de chemins sortent maintenant à toi. Par exemple, tu peux dès à présent défier la Ligue Pokémon. C'est là que les dresseurs parviennent à rassembler. Tous les badges de Hoenn se dirigent à toi. Pour trouver, dirige-toi vers les confins reculés de Hoenn, vers une île que l'on appelle Eternara. Mais tu peux également choisir d'aller rencontrer de nouveaux Pokémon. Nouveaux Pokémon et compléter ton Pokédex. Selon certains rumeurs, le professeur Sequoia vous renvoie la meilleure logiciel du Pokédex. Le rencontrer pourrait te permettre de découvrir encore plus de merveilleux espèces de Pokémon. Tous mes vœux te comptent sur le chemin que tu décideras de suivre. Ok. Donc, on a ici notre petit maman à qui on va apprendre. Yes. Utiliser. Oui, on va la prendre à l'autre. Allez, on va oublier quoi? Allez, on va oublier ça. Plonger, surf, force, lanceur, colonie, toutes ces forces pour moi aussi déplacer des rochers. Non, ça, ça, on en a besoin. Allez, du coup, l'ombre, toi, tu es mon Pokémon que j'utilise. T'es comme un couteau suisse. Ça, c'est une cascade. Est-ce que je peux traverser cette cascade? Tu sais, cascade, ça aurait été pratique. Avant cette... Avant cet endroit. Et on va soigner nos Pokémon. C'est là? Non. Non, c'est pas là. Pourquoi j'ai cru que ça aurait serait aussi passé? Non. Il est quelque part par là, le centre Pokémon. Oh, c'est tout ce qui manquait. Un Magikarp. Un Magikarp. Fuyons. Fuyons, pauvre fou. Allez, on prend la fuite.
Je veux surfer. Je veux juste trouver le centre Pokémon partout. Ne me faites pas traîner partout. En fait, c'est ma faute. C'est moi qui ai très mauvaise mémoire. Par ici. Alors, je pense que cet épisode 15 s'arrête ici. Merci d'avoir regardé. Mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Je fais du Pokémon. Je fais autre chose que Pokémon aussi. Je découvre des jeux. Donc, si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à la chaîne et vous allez voir plus de vidéos. Merci à tous de m'avoir suivi. Et au prochain épisode de Pokémon Alpha Saphir. Au revoir!